Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Sherlock Holmes The Game of Shadows en édition combo Blu-ray DVD de Guy Ritchie avec Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace, Jared Harris, Stephen Fry, Kelly Riley et Geraldine James. C'est un film distribué par Warner Brothers et sorti en magasin le 12 juin 2012. Alors que le docteur Watson est sur le point de se marier, Sherlock Holmes poursuit son enquête visant à démasquer le responsable d'une série d'attentats à la bombe dans toute l'Europe. Son principal suspect, le professeur Moriarty, qui est un scientifique respecté près du pouvoir européen. Avec l'aide d'une gitane, Holmes et Watson se rendent à Paris puis à Berlin afin d'amasser des preuves qui pourraient incriminer Moriarty. Ce faisant, ils mettent à jour son plan pour plonger le continent dans le chaos, mais la lutte intellectuelle entre lui et Holmes s'avère des plus excitantes encore. Si vous avez aimé la relecture des personnages de Sherlock Holmes et du Dr. Watson en 2009, alors vous devriez apprécier cette suite qui garde les ingrédients gagnants du film original. L'histoire se complexifie et je vous invite à être attentif pour bien suivre l'enquête car plusieurs détails sont importants au déroulement du scénario. Les personnages voyagent dans plusieurs villes comme Londres et Paris qui datent de la fin du 19e siècle et qui sont visuellement très convaincantes. Une bagarre à l'intelligence s'engage entre Sherlock Holmes et le professeur Moriarty qu'on retrouve tout au long du film et pas seulement lors de la finale. Les moments que j'ai bien appréciés pour démontrer leur intelligence, c'est lorsque les personnages récapitulent les combats avant qu'ils aient lieu. Également, je peux mentionner que j'ai bien apprécié les ralentis et les accélérés qui sont ici bien utilisés. Les deux héros principaux se complètent très bien. Robert Downey Jr. présente un Sherlock Holmes avec plein d'assurance et d'humour, et Jude Law, un Dr. Watson convaincant, impliqué et plus sérieux. Jared Harris en Moriarty est, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, intelligent. C'est une belle surprise et c'est un méchant de taille. Pour ce qui est de Stephen Fry en frère de Sherlock Holmes, il est amusant. Et Noomi Rapace, qui interprète une gitane, semble perdue par contre face aux autres personnages. Visuellement, cette édition Blu-ray offre une image claire et détaillée, même dans les scènes plus sombres ou dans les plans en accéléré ou en ralenti. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 5.1, français, espagnol et thaï 5.1, avec des sous-titres en anglais, français, chinois, coréen, espagnol, indonésien et thaï. Ceci, c'est pour l'édition Blu-ray. Et on a également l'anglais, le français et l'espagnol 5.1 avec des sous-titres dans les mêmes langues pour l'édition DVD. Pour les suppléments, on retrouve le Maximum Movie Mode avec Robert Downey Jr. comme hôte qui vous permet d'avoir accès à un mode Picture-in-Picture et une vue d'ensemble de la production. On a également A Game of Shadows Movie Application qui vous permet de télécharger un programme sur appareil mobile ou sur tablette. Et en le synchronisant avec le visionnement du film, ça vous donne accès à plein d'infos supplémentaires telles qu'une comparaison du script et du résultat à l'écran, les biographies et plusieurs autres informations reliées au film. On retrouve également Focus Point qui permet de découvrir les personnages de Sherlock Holmes, du Dr. Watson, le professeur Moriarty dans différents segments. Et on a également plusieurs bandes-annonces également disponibles sur le disque. Donc, Sherlock Holmes, A Game of Shadows est un film offrant un bon mélange de rythme, d'action, de plaisir, de divertissement et d'intelligence. Les acteurs principaux sont très bons et offrent des personnages riches aussi. C'est un film au même niveau et peut-être même plus, peut-être même meilleur que le film original. C'était Sébastien. Merci et bon visionnement.